Alors après Dubaï, maintenant on va visiter la capitale des Émirats, c'est Abu Dhabi. On y va, on prend la route et on se retrouve à la mosquée, à peu près dans 1 heure et demie. C'est bientôt la Saint-Valentin. Il suffirait juste d'une petite pierre de ce grand lustre, le plus grand lustre au monde, avec ici le plus grand tapis du monde sur lequel on ne peut plus marcher maintenant. Pour certains, vous reconnaîtrez les tours de Fast and Furious. On est juste devant le palais des Émirats, où on va rentrer maintenant. Good morning. Good afternoon now. Welcome, Bob. Welcome to Miss Palace Hotel, sir. Yeah, and it's beautiful palace. Yeah, thank you for that. And thank you for visiting Emirates Palace Hotel, sir. Yeah, thank you very much. Hopeful, I hope we'll see you again soon. Okay, soon. Bye. Bye-bye. Mon taxi m'attend. Donc, le musée du Louvre est posé à même la mer, sur le golfe Persique, grâce à 4536 pieux. Est posé donc le musée du Louvre. C'est Jacques Chirac qui en a eu l'idée, et juste avant la fin de son mandat, ils ont réussi à faire les signatures qui vont bien. Et ensuite, le 11 novembre 2017, l'ouverture au public a été faite par Emmanuel Macron. Les pieux, vous les voyez ici, il y en a au total donc 4536. Donc dans ce palace d'Abu Dhabi, on s'enfonce dans la moquette. Il y a des choses à visiter qui sont impératives, en fait. Ce sont bien les WC. On y va. Nous revoilà repartis direction Dubaï avec notre chauffeur. Thanks a lot. See you soon. We'll see you. Bye. Et l'info vient de tomber. Notre chauffeur se chargera de vous si vous allez à Abu Dhabi ou Dubaï. Téléphonez-moi et je vous donnerai votre numéro de téléphone ou le sien. 0 0 9 7 1 5 5 2 9 6 0 7 0. Okay, we'll be back. Bye. Thank you.